organisations d'éleveurs du Sénégal, en même temps un acteur, un éleveur, un grand berger, ou bien même un petit berger quelque part. Un sentiment de satisfaction d'avoir aujourd'hui reçu le Premier ministre. En même temps, c'est le ministre de l'élevage. C'est d'abord de le remercier. Et surtout, on a depuis ce matin, on a fait Sandiara, on a fait Toubatoul, on est là aujourd'hui. Moi, je viens là, intérieur du pays. C'est d'abord c'est de rassurer d'abord l'état du Sénégal, le Premier ministre en tant que ministre élevage, que les moutons sont déjà à l'intérieur du pays, les moutons sont là. Je viens ensemble, je viens de montrer des échantillons. Les moutons, c'est de. Aujourd'hui, le prix, d'abord, vous allez en venir certainement, c'est de 80 000 à 150 000. Ça veut dire, toutes les bourses sont là aujourd'hui. Ça ne dépend de la poche maintenant, les prix, les moutons sont là, ils ne sont pas chers. C'est pour vous rassurer que les moutons ne sont pas chers. Ils sont là. Ça, c'est vraiment en résumé. On vient de rentrer dans le pays. Aujourd'hui, là où nous sommes aujourd'hui, il y a les moutons qui quittent aujourd'hui Signe-Malève pour aller en Jigenzour. On veut l'équilibrer. L'équilibre national aujourd'hui, les moutons sont à l'intérieur du pays. C'est pour rassurer les Sénégalais. C'est le Premier ministre, c'est pour rassurer que les moutons sont là. Encore, il connaît encore d'être le camion en train de charger les moutons sont là. Vraiment, c'est pour vous rassurer que les moutons sont là. Non, il n'y a pas. Pourquoi avoir peur? Puisqu'il y a déjà la sécurité, l'État a donné l'assurance qu'il y a la sécurité aujourd'hui à 100%. Surtout en lui-même, je défends. Mais déjà, l'État a pris des dispositions pour dire qu'aux éleveurs, la sécurité elle est assurée à 100%. C'est pourquoi aujourd'hui, chaque jour que Dieu fait, on a 30 à 40 camions par jour qui vont en train de rentrer à Dakar. Donc il n'y a pas de peur. D'abord, on n'a pas peur, on est éleveur. On n'a pas peur quand même. Oui, à l'intérieur du pays, c'est dans le département de Linguère, dans le département de Kaffrine, dans le département de Renouré, dans le département de Podor. Donc les 6 régions, les moutons sont déjà, en tout cas, dans les 6 régions. Mais alhamdoulilah rabbil alamin, il y a la Mauritanie qui est là, il y a le Mali, donc il y a le Burkina. Aujourd'hui, je vous dis, là où je suis, les moutons sont en train de venir à 100% dans l'intérieur du pays.